Après des millénaires passés à repousser les ennemis du royaume Terre, Raiden commença à se demander s'il avait choisi la bonne méthode pour restaurer la paix. Changeant leur stratégie, Raiden et les Shirai Ryu attaquèrent les armées de Kotal Kahn avant qu'ils n'aient pu les rebâtir. Ils décimèrent ainsi les forces de l'Empereur. L'outre-monde était à eux. Le dieu de la foudre devint ainsi souverain de l'outre-monde. L'un des nombreux ennemis du royaume Terre n'était plus.